Bonjour et bienvenue dans le défi 86. On est à la 74e vidéo, ça achève! Il reste 12 jours, 12 vidéos pour finir ce défi-là. Puis ça va être le party, ça va être le gros party. Aujourd'hui, le sujet, c'est ça, c'est apprendre à s'accorder du temps. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis débordée! Oui. Tout se bouscule, le party arrive à grands pas, plein de choses, les suivis, le voyage en Europe, en tout cas plein d'affaires. Puis, comme si c'était pas assez, j'ai le 7e ciel et j'ai aussi un autre projet que je me suis impliquée dedans. Et ce que je comprends, ce que je vois aujourd'hui, voyez-vous, c'est que j'ai appris à m'accorder du temps pour prendre soin de moi. Et là, j'ai envie de faire plein de choses. Puis j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. Fait que donc, faut que je me calme. Faut que je m'arrête. Et même si mes journées sont chargées, d'arriver à m'arrêter. Puis à m'accorder quand même du temps. Pour me faire du bien. Pour prendre soin de moi. Comme là, je ne sais pas si vous regardez en arrière de moi, c'est cette nature qui commence à changer ses couleurs. C'est superbe, c'est fantastique. J'ai des choses, j'ai des tournages à faire. Je les fais dehors pour prendre soin de moi en même temps, pour prendre un temps un peu chaque jour. J'ai pris l'habitude depuis plusieurs semaines où au moins une fois par semaine, j'allais au bain, au Scandinave. Prendre soin de moi dans les bains chauds, les bains froids, la relaxation, la détente, le massage et tout ça. Et là, ça doit faire 2 semaines, facilement, si c'est pas 3, que je suis pas allée. Parce que salon, tu sais, beaucoup de choses qui se passent. Et là, j'ai un autre salon en fin de semaine prochaine. Fait que ça fait que ça retarde encore. Je pense que je vais être obligée de me trouver un temps entre ça. Pour m'occuper de moi et prendre soin de moi, me détendre, me relaxer, m'accorder du temps. Est-ce que vous êtes capable de vous accorder du temps? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir débordé, de pas avoir assez de temps pour tout faire ce que vous avez à faire, mais malgré tout dire « Ok, ben là je décroche 10 minutes, là, 15 minutes, je vais en prendre une marche, je vais en prendre soin de moi. C'est ce que je suis allée faire ce matin, je suis allée prendre une bonne marche. Ça fait du bien. » Sortir dehors, regarder. Vous avez manqué ça tantôt, mais j'ai eu 2 mamans avec leur bébé qui sont passées. Et un canard qui est venu s'installer direct ici à côté, tout près. C'est très beau l'automne. Hein? Il y a différents animaux là, qui, on dirait qu'ils sont plus proches. Qui en tout cas, la symbiose, là, pas la symbiose, mais la synergie. La synergie entre les deux, là, moi, j'adore ça. J'aime ça. Fait que donc, se nourrir. Apprendre à s'accorder du temps, ouais. Des fois, il faut que je me chicane pour le faire. Ça vous arrive-tu, vous autres? Hein? De des fois passer à côté, là, quand je sens que je commence à stresser puis ça me bouscule, là, c'est parce que je ne me suis pas accordée assez de temps puis qu'il va falloir que je prenne peut-être 5, 10, 15 minutes pour moi. Hein? J'aimerais ça vous entendre là-dessus, voir si vous arrivez à vous accorder du temps pour prendre soin de vous. Hein? Ciao! À demain!